pense que cette initiative va peut-être prendre de l'ampleur dans le temps parce que vu avec la Coupe du Monde et tout ça que la France a gagné, de plus en plus de personnes regardent le foot et surtout les filles. Donc j'espère qu'il y aura de plus en plus d'initiatives dans le foot féminin. C'était très cool, on s'est habillés. Ouais, c'était bien. Tout le monde va revenir, on reviendrait. Hein. J'étais en défense. C'est magnifique, c'est une super journée. On a commandé le soleil et on l'a eu. Voilà, je suis super contente, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'élan autour de la pratique. Alors, est-ce que c'est un effet Coupe du Monde ou pas? Mais j'espère qu'elles seront là encore au prochain plateau et qu'elles ont pris beaucoup de plaisir et qu'elles reviendront nous voir la semaine à la prochaine opération. Une belle manifestation, c'est bien pour promouvoir le football féminin. On a créé une section féminine cette année avec des petits de l'âge de 6 à 13 ans et on a une équipe en 15 qui joue à 8. Le football féminin pour moi, ça fait partie de l'avenir vu que cette année en plus il y a la Coupe du Monde qui se joue au sein de la France. Donc on espère que ça va promouvoir encore plus le football féminin. Et nous, on est prêts à accueillir encore une équipe ou deux féminines. Il y a un réel mouvement qui est en train de se créer. En termes d'encadrement, de structuration, les clubs commencent réellement à penser à ces publics-là. Ça nous permet d'être confiant pour la suite et d'avoir envie d'en faire plus pour ces filles-là qui se mettent au football et qui réussissent vraiment bien à jouer. Bilan plutôt satisfaisant, 100 pratiquantes environ provenant de différents clubs du département, certaines filles non licenciées également qui ont accompagné des amis à elles licenciées de clubs et des petites provenant de centres sociaux. Donc une belle journée où on a pu promouvoir la pratique féminine, des sourires, du plaisir, du football aussi, et du beau football même déjà pour certaines. Donc une journée très satisfaisante avec un très bel accueil du club de Rognac que je tiens également à remercier.